Salam, bonjour, WAP Suiv, Média tout côté. Nous exactement devant BNC Port de Paix, qui est une situation qui a évolué là-dedans. Et nous avons rappelé depuis 17 mai, et la situation ça a lui-même développé. Les clients qui sont déplacés dans la banque là, et viennent prendre service, ils n'ont pas qu'à joindre service. Matin, Média tout côté, il faut passer devant la banque là pour le connaître, de quoi il en est. On va laisser parler, nous avons rappelé tout. Et il y a une gros situation qui a développé pour ici. Les gens qui ont pop là notre sphère et ils ont voyé pop là sur mon cash pour lui, ils ont exigé soit l'acheter dans l'argent, ils ont exigé soit le faire et les payer les gens qui ont vu à ça. Là, nous allons laisser parler avec les citoyens. Nous allons avec nous mettre Dieu seul et Hazard. Qui se profite de ces mathématiques. Mais hasard, nous remarquons devant le banque là. Et qui situation qui a développé là? Donc, cela fait des jours que la situation s'est développée dans le département nord-ouest. La BNC en particulier, que nous considérons comme une banque qui toujours a bien service. Mais au fil du temps, nous constatons que pas un service qui bien, effectivement. Donc, ça fait 3 jours que vous venez là, c'est renvoyé. Donc, vous pouvez, c'est récurrent, c'est inacceptable. Parce que, en fait, le monde a déposé l'argent dans la banque. Si tout fait un besoin, c'est naturellement, il faut recourir à la banque là. Donc, là, le vini, eh bien, la banque est fermée. Supposons que son monde a une maladie, ça peut le passer là. Mais malade n'a pas le mourir. Pendant ce temps, l'argent, il était déposé la banque. Donc, vous pouvez, c'est drôle, c'est récurrent, c'est inacceptable. Ensuite, pour ceux-là qui viennent réclamer les transferts, son problème qui pose encore. D'ailleurs, il y a un transfert. C'est un certain montant que l'expéditeur a payé pour lui. Il paye pour lui depuis les États-Unis, il est là. Et là, il vient, finalement, il dit qu'il n'y a pas tout. C'est 30, c'est 40, c'est 25. Donc, ça, c'est inacceptable. On ne va pas accepter ça. Moi, je vais vous rappeler là, qui ça a dit, qui problème qui posait, qui ne pas de service. Bon, justement, il a dit. C'est un problème de DERCO, un problème de signal, que nous-mêmes nous pensons que c'est des faux problèmes. Puisqu'en fait, on banque comme la BNC qui a 2 moteurs disponibles, pas qu'il y a un problème de moteur. Donc, c'est de la part des responsables, ce soit d'irresponsabilité et de la part de ces messieurs-dames, qui fait que banque-là trouve la situation. Ça. Nous remarquons que dans toute banque, il y a des bourras, il n'y a pas 40 dans la banque, il n'y a pas l'argent. En fait, il y a des problèmes. Il y a des oui-dieux, ça y est, on va les camper sur eux, puisque on va vérifier. Mais il a dit que la grande majorité des montants qui se trouvent à l'intérieur des banques, c'est gros concessionnaires, gros prêteurs, gros commerçants. Et puis finalement, les gens qui ont des petits copes qui ont besoin, ils n'ont pas qu'à gagner. Tout le temps, gros dépôts par une fête, et bien, si vous allez, vous avez l'argent. Merci beaucoup. Monsieur Joël, vous êtes avec nous. Vous là depuis combien de temps? Bon, moi là, depuis près de 3 jours, je vais marcher là. Et moi, je vais faire un service. C'est toujours le même problème, non, je dis que c'est le problème moteur, le problème d'Elco. Donc, moi, je pense que ça, c'est des faux problèmes. Et l'argument, ça n'a pas qu'un bien. Donc, moi, je pense que là, on me dit que c'est responsable. On veut assumer la responsabilité. Personne n'a pas venu camper là pour dire bon, mais qui problème qu'a traversé. Vous pensez que c'est un problème d'administration qui pose en tant que qui fait, vous dites que problème moteur et problème signal là? Bon, moi, je pense que tout à fait vrai, c'est un problème d'administration. Et je vois le conseil à ce bout-là, ils ont pas censé prêter pour commerçants l'argent. Et que tout autant que vos commerçants ont fait des dépôts, et que si malheureux même qui viennent de bio, donc ils ont subi. Donc, prenons le cas par exemple, moi-même qui viens de madame, j'ai subi une intervention chirurgicale à l'hôpital de là. Je suis obligé de me prêter pendant ce temps que j'ai fait là. Vous imaginez, madame n'est pas capable de mourir. Vous comprenez? Et là, ça. Pète là et nous avons subi pour toute vie. Vous comprenez? À cause de l'irresponsabilité et responsabilité. Un bon message, vous avez envoyé. Je pense souhaité que les responsables, depuis sortir dans la tête de NCA, prennent responsabilité pour que
genre de problème ça yo pas poser encore parce que li pas bon du tout pour population dans deuxième. Merci beaucoup.